Si tu veux faire juste un clap. Moi, je m'appelle Quentin, je suis ingénieur matériaux chez Fall & Co. Voilà. Alors, Fall & Co, avant, j'aurais dit que c'était une jolie petite entreprise qui faisait du composite pour des mecs qui vont à l'eau. Et aujourd'hui, bah, ça devient une plus grosse entreprise qui fait beaucoup de composites pour plein de mecs qui vont aller à l'eau. Alors, chez Fall & Co, je suis arrivé il y a 4 ans, il me semble. Je suis arrivé en tant que stagiaire de 6 mois de fin d'études. Je vivais encore dans mon camion. J'ai appelé Fall & Co, c'était un jeudi. Je lui ai dit, ouais, allô, il me faudrait un stage pour un fin d'études. J'ai eu Tanguy au téléphone, il m'a fait ouais, bah, pas de souci, tu peux venir quand? Bah, je peux venir lundi. Du coup, je fais le voyage dans le week-end et lundi, j'ai commencé chez Fall & Co. AFS. Journée type, ça commence par un petit tour de l'atelier, on allume les presses, on regarde si toutes les pièces de la veille étaient pas trop mal. On allume toutes les presses, on fait un petit tour, on check tout le monde. Je reviens au bureau, je regarde les tâches de la journée. Puis après, je vais voir dans l'atelier s'il y a besoin d'un coup de main ou faire un petit peu de plan de drapage au bureau, quoi. L'équipe Fall & Co, c'est quoi? C'est y a des potes, des bons collègues et pas mal de monde que tu retrouves à l'eau un petit peu après quand même. Bah Wingfall du coup, c'est récent. Un foil et une planche. Bah, faudrait que je sache combien il y a de week-ends dans une année. On va dire quand même tous les week-ends. Au moins, c'est l'objectif. Hein. L'Osmar à Crozon. Un hangten en longboard? Ouais, ça c'est pas mal. C'est bon. Ok, merci Quentin. Nickel.